Donc me voici au MWC sur le stand de Nokia, donc pour vous présenter cette Nokia N1. Donc c'est la tablette de Nokia qui arrive avec justement Android dessus. Pour vous la présenter rapidement, cette tablette a des dimensions relativement correctes, relativement chouettes. On est quand même sur un form factor qui ressemble à l'iPad, que ce soit en forme, que ce soit en design. On arrive donc avec des dimensions de 200 mm de haut, on arrive avec une largeur de 138,6 mm et on a une épaisseur relativement faible puisque la tablette fait 6,9 mm. Concernant son poids, c'est plutôt léger, on est sur un poids de 318 grammes. On a également, un écran donc de 7,9 pouces. C'est un écran qui a une résolution de 2048 x 1536 pixels, soit une densité de 324 ppi. On est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Donc la tablette est extrêmement résistante, que ce soit aux micro-rayures. Également, vous pouvez la glisser dans votre sac sans aucun problème. Concernant la plateforme, on va retrouver un OS, un Intel Atom Z380. C'est un quadricœur qui est cadencé à 2,3 GHz. On va avoir également 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne. Pour la partie vidéo, vous allez retrouver ici une caméra frontale de 5 mégapixels. À l'arrière, vous allez retrouver une caméra ici de 8 mégapixels avec autofocus. Concernant la tablette en elle-même, le design, vous pouvez voir ici, on est sur la tranche supérieure, vous retrouvez une prise jack 3.5, on a le bouton power ici en haut. Sur la tranche latérale, ici, on a le bouton de volume plus moins. Sur la tranche inférieure, ici, on retrouve deux haut-parleurs, donc directement son stéréo. Vous avez ici le embout micro USB. Sur le côté gauche de la tablette, on a tout simplement une tranche complètement lisse. Sinon, ici, vous voyez, on a des tranches complètement arrondies, ici. À l'arrière, on se retrouve ici donc avec notre caméra, on a une tablette complètement lisse, on a la marque Nokia ici. Concernant ici la forme de cette tablette, on est sur du Android ici complètement. On a un Z Launcher de chez Nokia qui permet d'interagir avec la tablette très simplement. Par défaut, on a les informations, les applications qui sont utilisées localement mais également en fonction de la durée, du temps. Si par exemple une application que vous n'avez pas ici sur l'application, vous pouvez tout de suite noter et automatiquement les informations vont être remontées. Et on peut noter et automatiquement les applications vont remonter. On peut interagir également ici, on a toute la liste des applications lancées. Sinon vous êtes sur du Android classique, Lollipop. On peut slider facilement, on a ici toutes les informations, on a les paramètres accessibles. Si vous avez déjà utilisé du Lollipop, vous n'allez pas être dépaysé, c'est juste la surcouche, le launcher qui va nous permettre comme ça de pouvoir renseigner des lettres automatiquement. Ce launcher est disponible, le Nokia Z Launcher est disponible également sur le Play Store, vous pouvez l'installer également sur votre smartphone si ça vous plaît. Voilà, c'est une tablette vraiment chouette, très réactive. Là j'ai pas trop le temps d'attester, on me presse un peu sur le côté. En tout cas, on a vraiment une tablette très très chouette qui n'est pas sans rappeler l'iPad mini, et c'est peut-être la meilleure tablette Android que je trouve au moins sur le marché. Merci.